Alors, petit défi numéro 6 déjà. Je remarque très souvent, et je parle d'expérience évidemment, que nous sommes parfois inconscients, que nous ne sommes pas dans le moment présent et que nous avons tendance, du coup, quand nous avons un interlocuteur, à peut-être être dans la réaction, alors que si nous avions pris 3 secondes, le temps d'une petite respiration, ou plus profonde, mais en tout cas au moins 3 secondes. Si nous les avions prises, ces 3 secondes, nous n'aurions sans doute pas dit ou fait ce qui venait des tripes de façon un peu trop émotionnelle et réactive. Et donc mon invitation du jour, toute simple aujourd'hui, je vais vous inviter, si ce n'est pas toute la journée, essayez peut-être de vous trouver un laps de temps pour commencer, ne serait-ce qu'une heure, mais durant ce laps de temps, à chaque fois que vous allez dialoguer avec quelqu'un, entrer en nouveau contact avec une personne, je vous invite vraiment à respirer avant de parler. Donc simplement, soit à compter jusque 3, mais le plus profitable sera de respirer en même temps parce que vous allez vraiment revenir à l'instant présent et au corps. Donc simplement une respiration comme ça, toute simple, qui peut passer tout à fait inaperçue, sinon on va peut-être un peu vous demander. Pour qu'on ne vous demande pas non plus ce que vous êtes en train de faire, mais simplement prendre ce temps. Pensez aujourd'hui aux 3 secondes et prenez ce temps pour vous remettre dans l'axe du moment présent et ne pas être ailleurs, que ce soit dans le futur, dans le passé ou que ce soit au plein cœur d'une émotion qui va vous prendre par rapport à quelque chose que quelqu'un va vous dire. Donc, prenez une respiration profonde avant de parler, avant d'agir aujourd'hui. Au grand plaisir de lire vos expériences et moi je vous retrouve demain pour déjà le défi numéro 7. À demain!